Ne dites jamais un jour que vous avez tout vu tant que vous n'êtes pas passé par le Cameroun. Voilà une famille ici en Gousso. Mon frère, il reste comme ça. Ils ont enterré leur frère, ça fait quelques mois. Il reste comme ça. Le revenant les trouve à la maison. Bref, vous allez écouter le revenant. J'ai les vidéos brutes. Mais avant, on va bien comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écoutons ensemble. Il s'appelle Lucas Endomo Esomba, le présumé revenant, objet de toutes les curiosités au quartier Ngousso dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Son histoire affole la toile depuis son retour dans sa maison familiale le 22 juillet 2023. Il suscite à la fois curiosité et crainte. Certains n'osent pas s'approcher de lui, d'autres immortalisent son image à l'aide des téléphones portables. Telle une insolite, il se raconte que Lucas Endomo Esomba est mort le 16 mai 2023, puis sa dépouille a séjourné à la mort de l'hôpital général de Yaoundé. Ensuite, inhumé le 27 mai, mais réapparaît après 21 jours dans la tombe. Samedi, alors mon fils, je viens, je me lave à 17h. J'entends ma peau, comme moi, j'ai récemment la porte fermée. Pim, 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 j'ai dit que c'est qui? Où est la femme d'Endomo? La femme d'Endomo, où Endomo est venue, j'ai dit quel Endomo? Mon mari qu'on a enterré, tu perds la tête. J'étais chez un ami, je buvais un jus, on discutait de ce problème. Subitement, un voisin vient m'appeler que il y a quelque chose chez toi, vas-y. J'ai soulevé ma bouteille de jus, qui n'avait même pas encore ouverte. Je suis allé, arrivé, je vois la foule chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère est là. Quel frère? C'est lui que vous avez enterré. Selon la famille, ce dernier sera enlevé par les agents de la commune de Yaoundé 5 en avril 2023. Les gens de la mairie qui arrêtent les malades mentaux sont venus arrêter mon grand frère à l'intérieur de la maison. Et quand on a arrêté, moi je n'étais pas là. C'est le matin que j'ai su qu'il a été arrêté. Son petit frère affirme avoir personnellement identifié sa dépouille au même titre que l'épouse de ce dernier. J'ai vécu avec mon frère près de 54 ans. Est-ce que je peux l'ignorer? Mort, agonisant ou bien je ne sais pas. Je l'ai identifié. J'ai vu le corps à la mort, il était déhabillé. J'ai vu sa face que c'était lui. J'ai vu sa face que c'était lui. J'étais même avec le chef entré là-bas. Par la suite, le nommé Lucas Endomo Esomba est inhumé le 27 mai 2023 au domicile familial dans cette tombe. Je suis venu, comme on a enlevé à 15h, je suis venu à 14h. Je lui ai trouvé qu'on est déjà habillé. On a mis au secours, on a dit la messe, on est venu ici, on a fait le Dieu. La brigade de gendarmerie de Ngousso, saisie par Étienne Sizoua, frère cadet, ouvre immédiatement une enquête pour faire toute la lumière sur cette câbleuse affaire. Certains membres de la famille n'hésitent pas à appeler le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent. Demande tout simplement l'aide du gouvernement d'exhumer cet homme pour voir réellement qui est dans le cercueil. Au moment où l'équipe d'Info TV quitte les lieux, Lucas Endomo Esomba se balade librement dans la concession de sa sœur où il passe plus de temps depuis qu'il a rejoint le domicile familial. Affaire à suivre. Ma mamie, on dit que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des frères. Vous discutez. La même scène se passe en Côte d'Ivoire avec une jeune fille. Nous allons suivre la version de Canal 2 et je vous prends après. Ok. Les populations du quartier Ngousso à Yaoundé, la rumeur d'un homme de 69 ans serait ressuscité après son enterrement il y a un peu plus de 2 mois aujourd'hui. C'est du moins ce qu'affirme la veuve. Le prétendu mort vivant est retourné en famille samedi à la grande stupéfaction des habitants du quartier. Retour sur les faits avec Daniel Anisseboudier, Karen Mezatatouya et Samuel Ebakissa. Dans la nuit noire, nous voici sur le terrain d'une scène insolite. Nous sommes en Ngousso, lieu-dit des Saintes Chapelles, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Dans cette cour familiale, une foule nombreuse venue voir de près le seul homme ressuscité d'entre les morts depuis Jésus. C'est lui, Endomo Lucas, 69 ans.
D'après les membres de sa famille, il serait décédé depuis le 16 avril à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Le 16 avril, il est mort entre nos mains dans les environs de 4h du matin, 3h, 4h du matin. Le médecin a confirmé le décès. Pour sortir encore de l'hôpital, le médecin doit sortir les papiers. Les papiers, les voici. L'attestation de déclaration de décès signée du commissaire de police du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé et l'acte dressé par la mairie de Yaoundé 5e. La banderole annonçant le programme des obsèques affiche encore fière allure ici en Gousseau. La levée de corps aurait eu lieu le 26 mai à l'hôpital général de Yaoundé et l'inhumation dans cette tombe le lendemain après une veillée très animée. On a fait les sangs, on a dansé, fatigué. Le cercle était ouvert, on a dansé les sangs. Alors que la famille se préparait encore pour les funérailles, Lucas serait ressuscité par miracle ce 22 juillet, près de 2 mois après son enterrement. Selon ses proches, c'est aux environs de 17h qu'il a débarqué en famille, sur ses 2 pieds. Moi je me lave, j'entends seulement Koukou, la femme de Ndom, je dis que c'est quoi Ndom est là-bas, j'ai dit qui était Ndom. Ndom que j'ai enterré. Je t'ai dit qu'il y a mis seulement la bici. Quand je suis venu, il me dit que ma sœur, tu sors d'où? Il me dit que toi, tu sors d'où? Il me dit que j'étais au centre de Jamou. Il m'a connu, il a dit, il me dit qu'achète-moi le pain avec le beurre. On a acheté 3 pains à 2 jours. Il a dit, il a fini de boire. Pour la veuve, c'est un miracle. Il n'y a pas eu confusion de corps. C'est moi-même qui ai acheté l'habillement et le cercueil. J'étais à la mort avant. On a enlevé le corps, on a amené ça à la maison. D'après les témoignages de la famille, le prétendu mort-vivant serait mentalement instable et interné au village de la mort du centre Jameau avant son décès. Son raisonnement semble d'ailleurs confirmer cette thèse. Même moi, j'ai vu ça plus tard. Si c'est la question, quand on faisait ça, je soupçonnais l'équipe. La pathologie est héréditaire dans cette famille, apprend-on. Nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous. Nous n'avons pas les moyens de nous soigner. J'ai adressé une lettre de demande d'aide au Premier ministre. Pour l'heure, c'est l'étonnement qui règne au sein de la famille, mais bien plus un sentiment de joie. La veuve, ou plutôt l'ex-veuve, se dit prête à reprendre une vie normale avec le revenant présumé. Je lui ai embrassé. Avant qu'il me dise que tu sois, je lui ai embrassé. Il m'a aussi embrassé. Le sang qui coule dans lui, c'est le même sang qui coule dans moi. C'est le nez de ma famille, je suis le dernier. Donc, même s'il est revenant, même s'il est fantôme, là où il est là, c'est ma personne. Cependant, l'on se demande encore si Ndomo Lucas est-il réellement mort. Si oui, pourquoi aucune image des obsèques, de la veillée, du cercueil et de l'inhumation n'apparaît malgré notre insistance? Des questions à plusieurs inconnus. Moi, ça me dépasse. Vous-même, dites-moi en commentaire comment on peut répondre, comment on peut commenter ce genre de vidéos. Tout ce que je peux vous proposer, les amis, pour finir, c'est le savon Mana. Le savon qui est disponible déjà partout, que Franco utilise depuis plus de 7 mois. Faites comme Franco, achetez votre savon Mana, le meilleur savon de toilette actuellement sur le marché, sans concurrent. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'air terne et rideuse? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage t'effraient-ils toi-même? L'entreprise de Mana House met à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-taches, anti-acné et anti-âge que tu recherchais. Fait à base de collagène, de vitamine C et de lait de kojic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.